Chers papouas, bonjour chers papouas, vous l'avez remarqué, c'est vendredi, on ne pose pas de questions, il y a cailloux dans nos oreilles. Nous avons démarré cette émission en trombe pour vous permettre, chez vous, de recevoir la joie que nous avons ici. Alléluia! Amen! Faites du sport, les filles! Bon, ça va, on danse, on fait comme ça! Faites du sport, les filles! ça va bien, la famille? Premier ministre n'a même pas décrit hautement spirituel validé par le sport. Et bien là, on n'a plus 20 ans. Ah bon? Ouais, non, ce soir même, je retourne, n'est-ce pas? Karina Style! The Queen of Barrett. Oh yes. Yeah. Penny. Parti. Dormi. À la maison. Va bien. Vapeur de chef. Pouah! J'adore la partie. Parce qu'il y a la vapeur du chef. Manger. Je vais au mariage de ma nièce. Oui. Et une fille qui quitte là-bas qui me demande, mais hé, Mouloukoukou. Mais ici, c'est mariage d'Oula. Là, on y va ici.
Ah bon? Non, ça t'a fait mal. Ça m'a fait trop mal. Mais il est guéri. Quand tu vois qu'on a marre du là. Je salue tous mes parents guéris. Chez vous, là, vous regardez la télévision, levez-vous, levez-vous. Vous avez de la valeur parce qu'aujourd'hui, le prix du kilo du guéret a augmenté. Oh, ça, c'était il y a quelques semaines. Que tous les gagous se lèvent, que tous les gagous se lèvent, les gagous. Et maintenant, les bêtés qui sont plus à la page, vous êtes là. Tout à chez vous. Le DJ est bêté. Non, il soutient sa sœur. Hein, okay. Et vous, les Marocains, on ne vous connaît même plus. C'est qui? Ils ont perdu la. Jésus, moi vous connaissez plus. Ah, on va parler. De quoi? Non, on parle pas. Bah, Yiba. Vous m'avez magia. Attention. Hein. Non. Ils sont mal à la télé. Je dis rien. Dis-moi ce que tu sais. Zara Mozambora est avec nous, le DJ résident de la Papouasie avec lui. Avec lui, nous allons parcourir le terroir ivoirien. Aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est la musique traditionnelle, la musique traditionnelle, ça c'est notre, notre richesse. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire la part belle à la musique du terroir. Et je sais, je sens que ça va vous plaire. Le décor est planté, tout le monde est là. Allons découvrir le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. Ce vendredi, la musique du terroir est à l'honneur dans Showbuzz. Le mythique groupe Zagazougou, la légende Bipomi Junior, l'incomparable Douza Mouna et le jeune talent Guy de l'Ouest vont faire la fête en Papouasie. Sans oublier le DJ résident de la Papouasie, DJ Zara Mwazabanga. Zone, tu es un enfant indiscipliné, assieds-toi. Nous sommes là, je vous le disais avant d'aller au sommaire, que la Côte d'Ivoire est riche musicalement. Et ça commence par la musique tradie moderne. On a des talents, mais vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter des doyas, des plus jeunes, en tout cas pour parler de musique traditionnelle. Il était là au début, vous l'avez vu assis sur sa chaise, c'est Douza Mouna. On se lève pour l'applaudir. Voilà, Douza Mouna. Voilà. Merci, asseyez-vous. Doyen, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu. D'accord. Douza Mouna, ça commence en quelle année? Ça commence comment avec la musique? Écoutez, Douza Mouna est né dans la musique depuis 1977. J'ai 34 ans de carrière aujourd'hui. 34 ans de carrière? Oui, 90 jusqu'à 2024. Ça me fait 34 ans de carrière. Vraiment, c'est fort. Bon. Mais là, non, ne parle pas. Alors, tu restes avec nous. Nous allons recevoir les on a des invités, des amis qui sont venus nous rendre visite. Et celui que je... Vous vous calmez. OK. Celui que je vais appeler, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment mal parce que je ne me vois pas, moi, un guéré en train d'annoncer un gourou. Mais je ne sais pas, ça ne sonne pas bien, mais... Ça va aller, comme ça va on aller. Est en Papouasie, bon, je vais essayer. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, chers Papouas, j'ai le plaisir de vous annoncer la légende, Bipomi Junior. We'll be right back.
Bimpomi Junior. Bimpomi Junior, vas-y, prends place. Sois le bienvenu en Papouasie. Merci. C'est voilà, toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Regardez déjà le flyer qu'il a enfilé. Merci beaucoup. Et tu restes une légende. En tout cas, très content de te recevoir sur ce plateau. Merci. C'est pas terminé. Je parlais d'invités, je parlais de musique du terroir. Tu sais qu'en 1990, c'était l'ère des bandes. Oui. Et le premier band de la musique traditionnelle en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr ce groupe, si je ne m'abuse. Voici pour vous, Zagazougou. Aux hommes, tu vas l'aider à s'asseoir, merci. Merci beaucoup. Alors, Sekou Ouattara et Korotoum Kamara. Korotoum Kamara du groupe Zagazougou. Voilà, on va l'aider à s'asseoir, Karina, voilà. Mais tu n'as rien perdu de ta beauté, hein. Merci. En tout cas, très heureux de vous recevoir ici en Papouasie. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, mais vous arrivez pour la première fois dans notre pays, donc on veut savoir certaines choses. Oui, Korotoum, Zagazougou, ça commence comment? Tu as déjà ton micro déjà. Oui. Zagazougou a commencé en
1990. Et puis, le premier album, c'est le premier. Chose en 92. En 92, oui. D'accord. Et est-ce que tout le monde est là? Tout le groupe est constitué? Il y a d'autres qui sont partis? Bon, il y a d'autres qui sont décédés. Décédés, ah. Oui. On a perdu 4 membres du groupe. Wow. Wow. Ce qui fait que nous-mêmes, on n'avait plus la force. La force. Voilà, pour venir à la télé. Que les âmes reposent en paix. Merci. Ozone? Vous avez combien d'albums au total? Plusieurs albums, plusieurs, je veux dire jusqu'à 14. 14 albums? 14 albums. Oui. Non, attends, je n'ai pas dit 14 chansons. 14 titres. Parce que c'est là, on a commencé avec 6 titres. L'album qui a suivi, on a fait 12 titres, oui. Etc. etc. Wow. Mais heureusement, pour nous, ça a pris de l'ampleur. Tout le monde a aimé Saya parce que chacun d'entre nous, comme elle le disait tout à l'heure, on a perdu aussi des éléments purs de Sakazougou. Donc la mort qui est là, ça concerne tout le monde. Donc ça a pris de l'ampleur. Que tu sois chrétien ou djoula ou quoi, tout le monde chante Saya. Quand on était plus jeune, quand tu chantais, à chaque fois que tu chantais, tu pleurais. J'étais lead vocal du groupe Sakazougou depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été la maman du groupe Sakazougou, puisque j'ai commencé avec Père Sonam, le père de Sekou, qui était le père de Feu Korowat. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis. Tous ceux-là m'ont trouvé dans le groupe. Tous les membres du groupe Sakazougou sont venus me trouver là. Est-ce que vous êtes toujours en activité? Oui, oui. Oui, Sekou? Oui, je voulais dire oui, parce que, comme tout à l'heure, je viens de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont partis. Donc il fallait changer, parce que le Sakazougou même joue en live. C'est un groupe de live. On n'aime pas trop le playback. Vous voyez, le playback, c'est vrai, c'est bon pour certains. Parce qu'il faut avoir assez de danseurs sur scène pour faire le playback. Or que le live, c'est les musiciens. On dit le groupe Sakazougou, vous comprenez bien le coucou. C'est-à-dire que le groupe, c'est un groupe. Il y a un accordoniste, il y a 4 gamefola, il y a un clavier, il y a maracas, etc., etc. Donc vous voyez, donc ça fait que ceux qui sont partis, il faut les remplacer, il faut trouver des gens à leur place. Tu vois, ça nous a créé un peu de problèmes. Donc, quelque part, c'est Korotoum seul qui faisait, qui sortait et, au nom des Sakazougou. Sinon, le Sakazougou est bel et bien là, toujours. Et, vous voyez, puis on a changé. Avant, moi, j'étais percussionniste. Aujourd'hui, je fais un peu l'accordéon. Voilà. Donc, c'est un groupe, un peu en cassave, quoi. D'accord, OK. Bipomi, je l'ai. Sinon, j'ai une question pour Bipomi. Moi, franchement, le nom résonne. Le nom, il est gros. Est-ce que tu as profité vraiment de ton nom, de ta notoriété, de l'impact que tu as sur la musique ivoirienne? Est-ce que tu profites, bon, feuilletalement? On sait tous qu'aujourd'hui, là... Il y a les feuilles. Il y a les feuilles. Oui. Est-ce que tu perçois ça? Merci beaucoup, ma soeur. J'ai reçu beaucoup de choses parce que j'ai commencé depuis 82. Et j'étais avec Barry Nansong de Côte d'Ivoire. Ça fait moins 22 ans de carrière que je suis dans la musique. Combien? 22 ans de carrière. Ans. Wow. Voilà, donc je gagne beaucoup de choses. Bon, on peut dire ma vie, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Tu t'en sors, tu vis bien. Oui, je m'en sors tranquillement et pas débrouillé. Et Bipomi Junior, ça commence quand? Pour ceux qui ne connaissent pas. Le nom ou bien? Ça commence quand, la carrière? Comment tu Ma carrière, c'était 2002. Que j'ai commencé à évoluer parce que j'étais dans Barry Nansong de Côte d'Ivoire, j'étais danseur professionnel. Je voyageais, je fais au moins 25 pays. Wow. Et après, j'étais avec Wasiato Super et je dis merci à l'Aguerre. Parce que c'est grâce à ceux-là. Tu vois, c'est grâce à nous que tu as dit. Non, moi je dis félicitations à l'Aguerre parce que mon patron c'était Claude Roumi et puis Brimaris. D'accord. Donc je peux dire que c'est ceux-là qui ont formé Bipomi Junior avec Feignan Ruk d'une paix à son âme. J'étais son danseur, donc ça veut dire que... C'est l'association de toutes ces... Voilà, toutes la ces musique me donne à manger et aujourd'hui, j'ai évolué, je vais à Fatou. En gloire à Dieu, en tout cas, félicitations. Merci. Tout Samouna, alors, tu es là, tu nous regardes depuis, nous aussi, on veut te regarder, on va te laisser la scène et on est vraiment impatients. Cher Papoua, Dou Samouna. Allez, prépare ma voix. Je te salue. Serafino.
Oui, oui, Douze Amouna. Tu n'as rien perdu, Doya. Ozun, tu en penses quoi, toi? Je suis vraiment impressionné d'abord par la qualité de la musique, parce que c'est des gens qui chantent depuis très, très longtemps. Oui. Et la musique, quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on écoute encore du Nyaori Jimmy, du Ernesto Djedje. Parce que quand c'est bien fait, ça dure. Il y a des musiques, quand tu écoutes le matin à 10h, à midi, tu n'as plus envie d'écouter. C'est clair. Il y en a d'autres, 20 ans, 30 ans plus tard, on prend beaucoup de plaisir à écouter. Bravo. On parle de 34 ans de carrière, c'est pas rien. Alors, Karina, ça veut 34 ans de carrière. Pourquoi insister? Attends, Mondeur avait parlé. Tu as ton micro déjà, tu peux le saisir. Oui, il n'y a pas de problème. La question n'est encore venue seulement. J'ai pris le micro en l'âge de. Non, en 90. D'accord. 80 à 2020, ça fait 40, ça fait 34 ans, si je ne m'abuse. D'accord. Je suis né en 1967, le 9 février, un vendredi. Non, le vieux, ça va là. C'est le où tu t'en vas là? C'est mon frère, c'est lui ici. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'actuellement, la musique est en train de. Les choses ont beaucoup changé. Est-ce que tu as des collaborations avec de nouveaux artistes de... Bon, enfin, est-ce qu'il y a encore un album en cours? Ouais. Est-ce que tu as des projets ou bien des collaborations avec des artistes de la nouvelle génération? Bon, écoutez, les nouvelles générations, musicalement, c'est un peu difficile parce que. Beaucoup ne chantent pas, puisque à Tougan, il y en a qui viennent, parce qu'il faut venir
Or, on ne vient pas dans la musique parce qu'il faut venir. Nous, on est nés avec la musique. Effectivement. On est nés dans la musique. La musique est dans nos sangs. On vit de la musique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à l'école que je vais aller chanter. Tu chanteras faux. Mais, donc, nous, on chante bien. Donc, c'est un peu difficile. J'ai dit aux nouvelles générations, à chaque fois que vous allez aller en studio, venez me voir, je vous donne des chansons. C'est important. La chanson doit avoir l'explication vraie. C'est important. Voilà. Et tout à l'heure, quand tu chantais, tu as dit, « Bon, le coco, ça, c'est la bénédiction, il prend ça. » Oui. Merci. Alors, Korotoum, et Sekou Ouattara, on veut vous entendre chanter. Zagazougou pour vous, cher papa. Zagamozabanga. Bem só la tia tia varashia ya dunya kwala pe Bem janti ela ya warate lu bem janti ela Bem só la mara tia varashia ya dunya kwala pe Imana ka nimisa ka bo Imana ka taya ka bo Imana ka nyagba ka bo Amanyi ne Nikisina kunda mwa me vila saye Amana ba kona lalila aba fightengere mboro Amana ba ila tiena fo aba fightengere mboro Amana ba ila worombala aba fangere note Amana ba fufu la fo aba fightengere mboro Thank you.
Vraiment, on se régale, Zagazougou. Une question vraiment très importante pour le groupe. Ça. Rapidement, rapidement. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos membres qui sont partis. Là, vous avez un héritage entre les mains. Oui. Est-ce que vous avez songé à léguer ça aux jeunes pour ne pas que ça se perde? Ah oui. Merci bien, ma belle. Je suis venu pour la question. Je voulais parler de ça. Parce que c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, père à son nom, après à la Thérèse, son mari, qui fait la Côte d'Ivoire? Personne. C'est vrai c'est que le Zarazou. Oui, c'est vous. C'est le Zarazou. Les autres artistes, je m'excuse, ils font le son d'accordéon sur le clavier. Oui. Vrai ou faux? Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, parce que ça coûte cher, les gens ne veulent pas s'en donner. Ça coûte combien? Bon, on est dans 900, 1 million. D'accord. Wow. Il y a Diatonique et puis il y a. Comment on appelle C'est ça, diatonique et puis... Voilà, diatonique et puis achromatique. 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 Excuse-moi, ce côté-là me fait plaisir parce qu'il n'y en a plus. Oui. Regardez mon âge. Oui. Il y a combien d'accordéonistes en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Alors, moi j'ai une idée, si tu veux. Oui. Vous avez chanté, il faut que vous vous reposiez. On va vous donner un peu d'eau à boire. Merci. Quand on revient, on parle de ça. Zara Mwazabanga, tu nous envoies la pub. Mwazabanga. Showbuzz, la seule émission de dépaporisation, bien sûr, Nessemont. Nessemont, voilà. Nessemont, ça, c'est le nom de qui? Mon père. Et aussi les Zagba, je crois. Nessemont, c'est Nessemont. 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 Voilà, et c'est le nom de papa. Cher papouas, chère papouase, on n'a pas encore fini. Il est là, le monsieur là, le gourou. Bipomi Junior. Bipomi. Thank you.
Pas bon à lui, c'est qu'il est gros. Sinon, il a tout gagné, mais c'est à côté là. Alors, oui, on va te permettre de souffler un peu. On est allé au nord, au centre-ouest. Il faut qu'on aille un peu à l'ouest. Ah oui, c'est chez moi. Celui qui va venir, c'est un gros talent. Je l'ai connu lors de la dot de mon petit frère à Djokoué. C'était entre 2016 et 2017. Et mon frère m'a dit, c'est un grand chanteur. Il est bon. Il faut t'occuper de lui. Et nous sommes en 2024. Le voici à Showbuzz. Il s'appelle Guy de l'Ouest. Guy de l'Ouest. Germain, dit papi tout est terre, à nous aller pour le Yusumba. C'est mon Dieu, maïa ma paix mon tombeau. C'est mon Dieu, maïa ma paix mon tombeau. Damasia blon boca, damasia blon taka, damasia blon boca oh. Tandam tout le tapo. Amblé nos consens, ma gratte y a gardé, tanné un drai. Le coton, nous on se manu mes choux, c'est manu en maïe. Le tanné de dé, n'en mon baya, n'en mon baya. Adjalo papa, on le Yusuma beaucoup fait la poudre. Génération voilà, solo les Bengis. Et là tu m'as yolo, tu m'as yolo, ton bon tu m'as yolo, Watamon lobo, tu m'as yolo, Watamon lobo, Florence, Charlène Gonembo, voici les jumelles. Oh, le Yusuma pourra jamais mourir en Côte d'Ivoire. Soumanyolo, amébena, Soumanyolo, Watamon lobo, Soumanyolo, Soumanyolo, Tonkwa, Soumanyolo, Watamon lobo. Oro Abu, Akal Lawal, Bel Baluto, ah, on va venir danser. Génération voilà, ah, les rouges, on va venir danser. On va laisser le Yusuma tomber ici en Côte d'Ivoire. On va laisser le Yusuma tomber ici en Côte d'Ivoire. Yo, 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 Samuel Tofis, David Taro, le faisait de Yusumba. Après-tête, tout le monde, ma clé, maman Mimi Dia, Di Mariam Diaby, Becky Stika, la Sanche. Tu pensais que le Yusumba allait mourir? Tu te trompes, mon ami. Avec qui de l'Ouest, ça le suit toujours. Félicité Boya, ok. Magnifique, ok. Qui vous appelle là? Bah, vous avez dit de quoi il faut m'appeler, c'est ma cosa, c'est qui de l'Ouest, c'est bon.
Maman base Thérèse. Dans ce lapin en Côte d'Ivoire. Mais ne laissez pas le Youssouba tomber, s'il vous plaît. Mon arrangeur, dit Melo. Le supplé est sonique. Je ne pourrai jamais laisser le Youssouba tomber ici en Côte d'Ivoire. Quitte l'Ouest! Viens, viens, viens par ici, viens à nos côtés. C'est les guerriers qui peuvent allier le Wé au Youssoumba. Ça, c'est pas, ça, c'est un travail artistique. Ouais, mais Bipomi, pardon, pardon. Ok, on a compris. Moi, je veux, vraiment, c'est bien. Ton morceau, il est super. Moi, je voudrais juste que tu expliques cette histoire-là. Tu es de l'Ouest, tu es guerrier. Oui, tu veux, viens, on se met devant comme ça, tu vas prendre. Voilà, moi, je suis là, voilà. Moi, je vous laisse pas. Il ne faut pas dire ton frère. Là-bas. Vas-y, tu poses la question. C'est bon, tu peux parler. Je voudrais que tu m'expliques. Est-ce que tu es validé par les propriétaires même du Youssoumba? Est-ce que tu es validé par les propriétaires même du Youssoumba, les gars de la côtière? Oui. Oui, 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 oui. C'est parce que. T'inquiète pas, c'est la caméra. Ouais, il va. Mais comment ça se fait que tu fais du Youssoumba? Il a raison. Comment tu fais du Youssoumba? Tu es ouais, tu fais du Youssoumba? Je fais du Youssoumba parce que j'ai fait pratiquement 11 ans à Grand Laou. D'accord. Waouh. Et tous mes amis avec qui j'ai fait chemin, c'est des artistes sur Youssoumba. Youssoumba. Voilà. J'étais avec Eli Beba, ouais. Qui est mon ami intime. Ouais. Et j'étais aussi avec Akis. Ouais. Voilà, et le Akis vieux. De Abutu Rhodes. Voilà. Mais il n'y a pas que le Youssoumba que tu fais, tu chantes bien la musique. Il fait toutes sortes de musiques. Ouais. Il fait le Zouglou, il fait le tradi moderne, il fait toutes sortes, il fait le reggae, tout ça. D'accord. Donc, comme je suis en carrière solo, ouais. Quand je fais un morceau, ouais, je mets le Zouglou. Quand je fais un morceau, ouais, je mets le Youssoumba. En tout cas, je panache un peu. D'accord. Est-ce que tu as un message à lancer à tous tes fans du Guémon, à tous tes fans partout dans le monde? Oui, dans le monde entier, je voulais lancer un message pour dire à tous mes fans et à mes frères, surtout ce que je vous souhaite, ce que moi-même je souhaite, c'est la paix. D'accord. La paix. C'est ça qu'il s'agit. Avec la paix, tu peux aller partout. Quand il y a la paix, tu peux évoluer. Quand il y a la paix, il n'y a pas de réussite en retard. C'est la paix qu'on veut avant la réussite. D'accord. Et si on veut écouter tes sons, qu'est-ce qu'on fait? On part sur YouTube? Oui, sur YouTube, vous tapez Guy de l'Ouest. D'accord. La nouvelle sortie, elle est là. D'accord, même je me rappelle un peu bien. Uh-huh. Je fais venir un CD pour... Pour la Papouasie? Pour mon grand-père, voilà. Pour ton grand-père. Pour la Papouasie. Guy de l'Ouest, voilà. Guy de l'Ouest. C'est la nouvelle sortie. D'accord. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, on fait un big up aussi à Angel Oli qui se parle pas à Dieu. On va l'accompagner avec des applaudissements. Merci. Merci encore. Allez, prends soin de toi. Guy de l'Ouest, alors, ce qui va se passer maintenant au Zone Afrique Bamba, c'est la... C'est la question... Non, pas la question. Interview en chanson. Interview en chanson. On doit lui donner mise à pied. Non, mais tu sais que j'aime pas son comportement. Non, je t'ai dit, c'est un BT. Alors, ce qui va se passer, on va converser. Vous connaissez le principe de l'émission. On va parler, on va converser, mais en chantant. Zalam, tu as préparé quoi pour nous? Konotou Moué. On devait en parler, voici la musique là, tout le monde va chanter dessus au Korotoumou. Bipomi Junior le gourou là. Gourou Kabakiba. Yadino Mere. 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 Kabakiba. Tout ça. Hey. Tout ça. Yeah. Oh yeah.
Icao. Comme le pour le coup de à quoi faire à Icao. Pour le allez, dans le monde, l'envie à chauffer son président est si en zone. Karina, Karina, oh, oh, elle n'a la paix dans ce pays-là. Oh, sans la paix, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'amuser. La paix en Côte d'Ivoire, oh, oh, elle n'a fait ça. Merci les filles, je suis trop fier de vous. Merci wow. À vous, Bipobi Junior. Pour tout me veut passer court et tout ça. Wow. Avant de terminer, vous savez qu'ici là c'est comme la tradition. Yeah. Quand on finit de chanter, je dois passer la parole au Bobby et l'obiné du rapport. Wow. Jarambe SMP. La paix n'est pas un mot. Accordéon. Merci. Merci, merci, Zara, merci, merci. On va marquer une autre pause et on revient juste après. De retour pour la dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec nos invités Bipomi Junior, Douza, Douza Mouna, le groupe Zagazougou. En tout cas, tout se passe bien. Il faut maintenant que le Premier ministre nous informe. Show News. D'accord. Allez, on va démarrer les news aujourd'hui par une news très, très importante pour les passionnés de culture hip-hop. C'est la soirée Old School Fever. Ce samedi, à l'espace Ménécré, à partir de 20h, l'un des DJ qui a traversé vraiment le temps dans cette culture, c'est DJ Khalif. Il sera au platine, il va nous faire voyager dans le temps et dans l'espace avec tous les gros classiques du hip-hop depuis sa genèse. On va écouter du ODB, du Wu-Tang Clan, du Mobb Deep. On va aller en France, ici en Côte d'Ivoire, bien sûr. On sait qu'il y a eu Almighty, Stizo, M.A.M., Emprunt, Enterprise. Tous ces artistes-là qui nous ont fait rêver seront, bien sûr, dans le mix de DJ Khalif ce samedi à 20h. Soyez là, prenez vos tickets, venez, on va se faire plaisir. C'est Old School Fever, c'est la 5e édition. Donc la soirée Old School Fever est de retour, la famille. Venez, on va kiffer ensemble. On va continuer cette fois-ci, cette direction Guinée-Conakry. Nos artistes sont avec nous, les soldats, bien sûr, qui sont à Abidjan pour cette grosse tournée, c'est GMT. Ils vont venir avec nous. On a deux frangins qui sont là spécialement pour ça. On va leur permettre de venir nous rejoindre ici. Venez, venez les gars. Venez les gars, venez. On les applaudit. Mixoul et Diallo. Bixoul et Diallo, salut les gars, venez, venez. Sanfa Diallo. Voilà, Sanfa Diallo. Alors, de part d'autre, Bixoul, toi tu tiens le micro, tu restes à côté de Karina Style et toi tu viens, voilà, viens, attention à la marche. Attention. C'est le bunker du président. Bixoul qui est un créateur de contenu qui est très, très suivi. Est-ce que tu veux partir devant avec eux? D'accord, venez, venez, venez les gars, allez, venez allez, avec allez, moi. Allez, on va, voilà. On va donner les infos tranquilles. Ça fait plaisir de vous voir les gars. Plaisir de partager. Hein, j'étais à Conakry il y a quelques jours, j'ai bien aimé le Konkwe. Le Konkwe nous Tourekbeli. Ouais, le Konkwe. Alors. Okay. Parlez-nous de ce spectacle, le Guinée Music Tour. Ok, c'est un spectacle qu'on a mis en place, c'est la première édition. Yeah. Ça s'appelle Guinée Music Tour GMT. L'objectif, c'est d'envoyer des artistes, plusieurs artistes guinéens. Mm-hmm. On commence par la Côte d'Ivoire, après on fera le Sénégal et on ira à Paris, et aux États-Unis et au Canada. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de promouvoir la culture guinéenne, les artistes guinéens. Parce que bon, c'est parti d'un constat, en fait. Mm-hmm. Je vais te dire, très, très malheureusement, on a beaucoup d'artistes en Guinée qui font des stades, mais malheureusement qui ne sont pas très très connus dans la sous-région.
lorsque je vais vous demander ici, ça dit, vous connaissez combien d'artistes guinéens, ça dit, bon, vous allez citer peut-être deux ou trois. Ah, moi, si tu me demandes, je vais citer peut-être 15 hein, ou 20, ah, peut-être. Ok, peut-être, peut-être, mais je parle du public en général. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi on a mis ce projet en place pour faire tourner les artistes guinéens au maximum. Quels sont les artistes invités, Sanfa Diallo? Yaman, yeah, il y a Baluzar, il y a King Alasco, il y a Jupiter, Sona Sek, Sanfa Diallo est la partie, quand je dis Ramba Bax, Bax Bax, Ziggy Zaga, oui, il y a toute la Guinée, il y a le dancehall. Moi, je suis venu de New York directement pour faire le concert ici. Alors, c'est faire que la Guinée soit connue dans le monde entier. D'ailleurs, il n'y a pas de frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Si merci, c'est une seule famille. Africa, viva. Merci, Ozone. Max, Max. La date et le lieu, rapidement. C'est le 16 juin, le dimanche. Là, ce dimanche. Ce dimanche, le jour de la fête de Tabaski, au Palais de la Culture d'Abidjan, la salle François Louga. OK, quelle heure? À partir de 18h. 18h. Alors, moi, j'invite tous les frères guinéens et tous les Ivoiriens aussi à aller voir ça. Je peux vous dire que les artistes guinéens sont d'une performance inextricable. Merci les gars, en tout cas prenez soin de vous, on est ensemble et puis rentrez bien. Allez, big up, big up, big up, big up. Alors, on va remercier le Doya Douzamouna, Bipomi Junior, merci. Koretou, mais Vesekou, merci d'être passé vraiment, que Dieu vous garde. Et puis on est ensemble, cher gouvernant, merci. Zara, merci. C'est terminé avec Showbuzz, hein. Prenez soin de vous. Et puis, très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans papouas. Et puis prenez soin de vous, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. On vous laisse en compagnie de Black D, MFA Commando dans Showtime. Et puis, on vous aime tous. Peace. Baby, what a mapo, mimi sonja tama. Baby, what a mapo, mimi anintama. Baby, what a mapo, who's what a time. I go to send the time. Baby, what a mapo, mimi anyatama. Cherry, what a mapo, mimi fenantama. Baby, what a anu, mimi dainatama. I go to rise the time. Lover, fi mamo figiri mi fellime. Mamo figiri mi swapaim, fi mamo figiri mi lanaim, baby love. Fi mamo figiri mi fellaim, fi mamo figiri mi swapaim, fi mamo figiri mi lanaim. T'es ma femme, t'es ma priorité, t'es ma love, t'es mon essentiel. Si ton homme, si ton commando, si ton commando, oh love. T'es ma femme, t'es ma priorité, t'es ma love, t'es mon essentiel. Si ton homme, si ton commando, si ton commando, oh love. Ma chérie coco, sous ma patrine tu fais dodo. Nous t'amour le rend tous beau, 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 tous jaloux. Jamais je te dirai bye bye, no, no, no. Pour toi je ferai l'impossible. Tu es seul dans ma life, t'es l'unique dans ma vie, mon bébé. Bébé, maquille pas, sans la face, bébé, ne sois pas timide, non. Sans ta guide, ma journée est sans effet. Bongo Mosa, Baïdala, Baïmo, et Batano Fala. Lova, fille maman, figuré, mi fellime. Fille maman, figuré, mi swapaim. Fille maman, figuré, mi lanaimo. Mi lanaimo, fille maman, lova. De ma femme, de ma priorité.